Sufid. What is the biggest gift you want? It's a gift of God to my life. Represent for me. And why you gonna it's my work, it's my job, and I love to be surfing. You know? Yeah. Donc pour moi, c'est vraiment c'est un cadeau de Dieu à ma vie. C'est aussi mon boulot, c'est aussi ma vie. C'est une chose que j'aime bien faire. Comment ça vous est venu l'idée de faire du surf? I always living near the beach and my dad and I have two uncles that was professional surf and the surf is in my blood already. J'ai toujours habité à côté de la mer et mon père et deux de mon oncle sont des surfeurs professionnels. Donc c'est vraiment dans mon sang, c'est un choc, c'est toujours when dans I moi. I was 17 years old, my dad gave to me a surfboard. Donc quand je suis I was really happy. Quand j'ai eu 17 ans, mon père m'a donné mon première planche de surf et j'étais vraiment enthousiasmé. Vous n'avez jamais douté pouvoir faire du surf? Oh non. Yes, I did. Sometimes I wanted to give up, but I have strength. I have a faith in God. I never gave up. Mais bien sûr, j'ai eu des doutes. Il y a des fois que je voulais vraiment lasser le surf et quitter le faire. Mais j'ai, ma puissance, mon pouvoir, c'est vraiment que j'ai Dieu dans ma vie et qu'avec lui, on continue ensemble. They're gonna come out and shred with you. We just do that with beginners. We're gonna try to. Bon, allez, bon, on y va. Okay, let's go. Let's Dan, go. You wanna... pas, je suis donc adjoint Guillaume Baruc, adjoint au maire à l'environnement et à la santé. Donc ça tombe bien aujourd'hui parce que justement Derek est l'illustration même du surfeur qui utilise son environnement pour améliorer sa santé. Donc j'ai le plaisir de vous recevoir à cette cité de l'océan. Cité de l'océan qui aurait dû s'appeler la cité du surf et ça aurait peut-être été pas plus mal parce que dès qu'on parle de surf et dès qu'on parle de vagues à cette cité, il y a beaucoup de monde. Donc Derek, je l'ai connu comme beaucoup de gens ici, sur YouTube, sur cette vidéo qui a circulé, qui a été vue par des centaines de milliers de personnes, où on voit Derek s'attaquer à la vague de Pipeline. Et vraiment, bon, ça a bluffé tout le monde de voir quelqu'un qui n'a pas la vision, pouvoir dompter une vague que même les bien portants n'arriveraient pas à dompter. Et bon, j'imaginais pas qu'on le recevrait un jour ici à Biarritz. Et c'est vraiment un honneur pour nous de l'avoir ici. J'ai pu le voir surfer tout à l'heure à la Côte des Basques, hein, et il nous a tous bluffés, déjà parce qu'il surfe en maillot, hein, et pour un Brésilien surfer en maillot avec une OA18, déjà c'était déjà bravo pour ça, Derek. Hein, ensuite il surfe avec une planche de surf comme n'importe quel surfeur, hein, c'est une planche de surf tout à fait normale, un surfboard tout à fait normal. Et moi je l'ai regardé surfer, j'étais impressionné de voir que c'était le surfeur qui prenait quasiment le plus de vagues dans l'eau, hein, en droite, en gauche. Hein. Alors bien sûr, tout ça n'a pas pu se faire tout seul. Hein.
Derek utilise ses autres sens pour s'orienter dans l'eau. Il a surtout profité d'un encadrement humain conséquent pour l'amener dans l'eau, hein, qui a été assuré ici à Biarritz par l'association Andy Surf, à qui je vais pouvoir transmettre la parole. Oui, bonjour. Moi, je me présente, je suis Jean-Marc Saint-Jour. Je suis le fondateur de l'association nationale Andy Surf. Pour moi, en 2012, ça a été un rêve d'arriver à pouvoir faire surfer le maximum de personnes en situation de handicap. Et j'avais commencé en 2008 par des enfants autistes. J'ai décidé en 2012 d'aller me former. Et ensuite, j'ai écrit la formation Andy Surf dans l'état actuel. Et on forme maintenant des personnes, des brevets d'État et des BE de surf sur toute la France. Ce qui va nous permettre à court terme de pouvoir faire bénéficier à plus de 5000 personnes en situation de handicap et de les initier au jour du surf. Donc l'Association nationale Andy Surf a débuté à Bayonne. On arrive maintenant sur Biarritz, puisqu'on est accueilli par la mairie de Biarritz. Et pour nous, c'était un grand honneur de faire surfer Derek. Parce que voir cette personne, cet athlète surfer Pipeline et plein d'autres vagues, avoir dépassé son handicap et avoir réussi ses espoirs que nous-mêmes, Vali, on n'est pas capable d'arriver à faire. Ça a été, voilà, pour nous, c'est un grand honneur, Derek, de t'avoir reçu. Merci pour l'invitation. Un grand merci à la Cité de l'Océan et à sa directrice Françoise Potrizel qui nous a ouvert les portes de ce magnifique endroit. Merci beaucoup, nous sommes ravis d'être ici. Et il y a beaucoup de personnes encore à remercier, des personnes sans qui ce film n'aurait pas été possible. Walking on Water, qui a produit en partie le film, l'association Christian Surfers, qui organise la tournée du film en Europe, l'église baptiste Biarritz et son pasteur junior qui est en traduction ici ce soir, et plein d'autres personnes encore. Donc voilà, je vais laisser la parole à Derek et à Bruno avant qu'on commence la projection du film. Primeiramente, boa noite. Bonsoir. Quero agradecer a presença de todos aqui. Je voudrais vous remercier pour votre présence. Espero que vocês realmente gostem do filme. J'espère que vous allez aimer le film. A gente se vê mais tarde. On se voit tout à l'heure. Oui, donc Derek, gostaria de saber. Quando, qual foi a pior vaca que você levou? E todo mundo diz que Pipeline é uma praia muito perigosa. O que você tem a dizer sobre isso? Donc, quelle était la pire gamelle que tu as pris? E todo mundo diz que... Vous comprenez ce que c'est qu'une gamelle? Pour ceux qui vont pas du surf? Parce que moi, je savais pas ce que c'était. Donc, quelle était la pire gamelle que tu as pris? E todo mundo diz que Pipeline, c'est vraiment, ça fait peur. Est-ce que c'est vrai? Então, minha pior vaca não foi em Pipe, por incrível que pareça. La pire gamelle que j'ai prise, c'était pas à Pipeline. Mas Pipe realmente é uma onda muito, muito casca-grossa, muito perigosa. C'est vrai que à Pipeline, les vagues sont immenses, sont très dangereuses. A gente tem. A gente precisa estar bem preparado em todos os sentidos para. E vai surfer em todos os sentidos para vraiment surfer sur ces vagues immenses. Je pose d'abord en français et après je lui poserai en portugais. Quand tu reviens, en fait, quand tu viens de prendre une gamelle et que tu tombes dans l'eau, comment est-ce que tu sais dans quelle direction il faut aller? Quand você pega uma vaca e você sobe, volta, como que você sabe para que direção ir?
Então eu consigo saber para que direção que eu devo ir. Então eu sei exatamente para que direção que eu devo caminhar. É através do barulho que do outside e do inside. Eu às vezes pelo vento também. C'est parfois c'est le vent, je suis le vent, ou sinon le bruit de la vague ou la vague casse. Donc j'écoute le bruit de la vague ou elle est en train de casser et je sais que c'est dans cette direction qu'il faut ramener. Intéressant, hein? Nous apprenons des choses, hein, ce soir. Donc il y a aussi des situations où on prend des gamelles dans la vie. Nous prenons tous des gamelles dans la vie et parfois nous pouvons être vulnérables, avoir une perte de direction, de sens. Comment est-ce que ta foi en Dieu peut t'aider à savoir dans quelle direction aller? Às vezes, quando a gente está em situações em que a gente pega um monte de vaca, a gente fica desencorajado e tudo mais. Como que a sua fé em Deus tem te ajudado nesse sentido? Porque a vida, às vezes, é como muitas pessoas passam em situações assim, que eles pegam um vaca. Então, algumas vezes, em uma situação difícil, assim, surfando, já pensei em, de repente, desistir e tal. Parfois, dans ma vie, quand je prends des vagues, tout ça, c'est tellement dur que je me dis, tiens, je vais tout abandonner. Mas minha fé em Deus não deixou que isso acontecesse. C'est justement cette foi que j'ai en Dieu qui m'aide, qui m'encourage à continuer. Okay. Uma última. Donc une dernière question. Nous avons tous été très inspirés par ton film. Et aussi le fait que ton film aide aussi d'autres personnes qui sont dans des situations difficiles. Et ton but, en fait, de prendre un tube à pipeline était donc quelque chose qui t'a encouragé à aller de l'avant. Comment est-ce que, en fait, la communauté, les personnes qui t'ont entouré, comment ça t'a aidé à aller droit au but? Nós ficamos todos inspirados pelo seu filme, como você também lutou para conseguir pegar esse... não sei como é que se fala em português. O tubo. Como que o pessoal ao seu redor, a comunidade, as pessoas que estavam lá te encorajando, como que isso foi para você? Para mim é fundamental ter pessoas que... Para mim é très important d'avoir des gens autour de moi. Pessoas que... transmite energias positivas que c'est des gens qui me donnent beaucoup d'énergie, une énergie positive, que estão ali te apoiando, te incentivando, que sont là pour t'encourager. Sempre fizeram isso. Ma famille a fait ça tout le temps, mes amis aussi m'ont beaucoup encouragé. Mas sempre tem alguém que vem falando que não vai dar certo. Il y a toujours des gens qui vont dire non, ça va pas aller, tu vas pas réussir, tu vas pas pouvoir faire ça. Mas eu sempre pensei que eu posso fazer tudo, que eu tenho Deus na minha vida. Mais j'ai toujours pensé que je peux faire énormément de choses parce que j'ai Dieu dans ma vie. Ok. Merci beaucoup. Muito obrigado. Merci beaucoup.